Yannick Duc, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir ici sur le plateau de Bordeaux TV. Merci à vous. Et surtout de venir aux Épicuriales de Saint-Vincent de Tyrosse, parce que vous êtes le directeur du restaurant Le Hito. Oui, directeur, chef de cuisine. Quand vous commencez dans la cuisine en effectuant un apprentissage, c'est Claude Darroze à Langon. Oui. Donc ça, c'est vos premières expériences. Première expérience, c'est une expérience qui m'a marqué. Qu'est-ce qui vous a marqué? L'esprit Darroze, qui est une famille, un esprit extraordinaire au niveau de la cuisine, du savoir-vivre, du savoir-recevoir. Vous rencontrez Michel Ballot, qui vous place dans le restaurant Au Bon Coin, chez Jean-Pierre Cole, à Mimizan. C'est ça. Ensuite, en 92, vous réalisez votre service militaire en tant que chef du personnel du Premier ministre de l'époque, à ce moment-là, Édouard Balladur, à Matignon. Mmh. Je vous demande de vous arrêter, non, vous là, non? Si, une fois en cuisine. Ah oui. Vous travaillez ensuite dans les cuisines suivantes, alors Château des Rénas à Périgueux, qui est très connu, au Carlton de Cannes en 94. Vous participez au Festival de Cannes. Oui, 50e anniversaire. Au Martinez, toujours à Cannes après. Christian Villard, à l'époque. Quand on voulait apprendre la cuisine, les belles maisons se situaient pas mal sur la Côte d'Azur. Ouais. Et si on voulait faire de la belle cuisine dans de belles maisons, il y avait une concentration de beaux établissements avec une cuisine qui est là, de la Provence, avec du joli cuisson, joli produit. Et si on voulait bien apprendre son métier, c'était un passage pas mal. 2017, vous obtenez votre première étoile au Guide Michelin. Mmh. Et comme on le disait tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui à la tête du Hito à Saint-Vincent de Tyrosse. C'est quoi la particularité de ce restaurant? C'est une vieille maison landaise, une vieille bergerie. Ouais. On essaye d'insuffler un peu de modernité dans notre travail, tout en jouant les produits locaux. Venir y insuffler de la modernité dans de l'ancien comme ça, il y a une émulation qui se passe, hein. et c'est génial. En étant sur des côtes sauvages landaises, on est sur un coin, allez, extraordinaire. Pour la première année, donc, aux étoiles d'Épicure, pour bien montrer vos talents, sortir de vos cuisines. Ouais, j'ai beaucoup de fierté à venir ici, en fait, parce que mes origines sont ici. Ouais. De revenir à Bordeaux, et de venir sur un événementiel tel que les étoiles d'Épicure, ça apporte beaucoup de bonheur. Voilà, je vais essayer de prendre moi beaucoup de plaisir ce soir. Pour donner du plaisir. Ouais, dans la prestation et effectivement pour donner du plaisir, parce que c'est la racine de notre travail, c'est de nous prendre du plaisir pour pouvoir en donner après aux autres. Alors comment on va commencer à leur donner du plaisir avec l'entrée? Omar, qu'on travaille avec une presse de carapace au curry jaune lait de coco et des ravioles curry vert. Tout à la carte change, sauf ce plat-là, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui viennent manger ce plat chez nous et qui seraient prêts à se mettre en grève si le plat n'y était pas. Donc on a voulu dire, on amène ce plat à Bordeaux. Voilà, on essaye de voir si ça plaît autant aux gens. En plat, la canne de barbarie fermière, petit élevage, l'élevage du blanc à Magès, qu'on affectionne particulièrement, c'est les produits de chez nous, qu'on va marier donc avec un autre produit local qui sont les carottes des sables, on est en pleine saison. Et le yuzu et le poivre long rouge compote, ça c'est un clin d'œil pour le vin qui a été sélectionné. Essayer d'avoir un accord idéal entre ce qu'on amène nous, ce qu'ils nous ont offert ici, et essayer que toutes les choses s'embriquent bien et se marient bien. Et le dessert, on joue un peu de fraîcheur avec de la framboise, du pommelot, de la bétimure, de la verveine citron, un petit palais de citron jaune à la vanille et quelques billes de litchi. Ça, c'est un peu la surprise de dernière minute que l'on amène sur place. Ouais, ces billes de litchi à l'agar-agar qui vont venir un petit peu exploser en bouche. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous.